Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. Nous terminons les ultimes préparatifs. Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous avertir quand même qu'il risque bien de pleuvoir durant la rencontre, ce qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on le sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Le Chievo Vérone ne gagne plus, mais alors plus du tout. Oui, c'est un constat assez terrible. Hein. Je ne sais même plus à quand remonte le dernier succès. C'est long, trop long. Et la grogne commence à monter. Honnêtement, je ne sais pas quel est le problème. Mais entre les erreurs individuelles et le manque de réussite, eh bien pour arrêter cette série, il va falloir du changement. Et on rentre dans le vif du sujet. Ça joue long vers l'avant. La passe dans la profondeur. Il tente sa chance. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça, c'était une occasion en or. Meunier, la Fiorentina qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire. Ça peut être dangereux. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Obi. Et ce ballon vers ses attaquants. La passe est précise. Ça peut faire mal. Mais le cadre se dérobe largement. Ah là, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Bétancourt, Rakitic, ce sera un coup franc. Bétancourt. Qui cherche à construire. Attention, la frappe! Ah, c'est manqué, il faut cadrer! C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Meunier. Tomovic qui joue dans la profondeur.
tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire? Oui, mais pas seulement. Ils occupent les côtés pour étirer cette défense. Simeone! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. La Fiorentina pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près, là. C'est joué long. Attention. Et ils vont effectuer cette touche. Dans la profondeur. La passe interceptée. Rakitic qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. Il continue. Oh, l'inspiration! Obi. Oh, il a bien vu son coéquipier. Donc ça va partir vite. Il est parti en direction du but adverse. Pour trouver la faille dans la défense. Il glisse le ballon en profondeur. Hors jeu. Cette passe en déviation avait surpris tout le monde, mais son coéquipier était hors jeu de quelques petits centimètres. Un match plaisant, animé, mais le score est toujours de 0-0. Les deux équipes manquent d'envie et prennent peu de risques. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Carrasco! Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Premier corner dans cette rencontre. Danger repoussé pour le moment. Un bon sang. Simeone! Oh, le gardien est là, la classe! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. C'est joué long, attention. On joue sur l'aile, il est servi. Et bon centre dans la surface. L'interception, bien joué. Allez, c'est dangereux! Oui, c'est au fond! Et ce but pourrait tout changer. Oh, l'opportuniste! Et quelle efficacité! Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite des errements de la défense. Il est parfait. Les voilà donc devant. C'est un but qui vaut cher. Bon, les fans n'attendaient rien de moi, mais il va falloir en marquer un deuxième pour se mettre à l'abri. Mendy. Il allonge vers l'avant. Ça passera sur le côté. Il centre. Allez, de la tête! Oh, c'est dedans! C'est vraiment un beau coup de tête. Il a progressé dans ce domaine. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Ferreira Carrasco qui inscrit là son premier but de la saison. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Ah, ça c'est un grand classique, ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Giaccherini, il joue dans l'espace, il est à distance de tir, il prend sa chance et il rate le cadre. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action, ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Meunier. La passe dans la profondeur. Centre à ras de terre. Ah,
c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est bien donné. Il écarte, ça joue long. Il est passé. Un centre tombe, il frappe. Oh, ça rentre! On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. De Bruyne, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue son va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il tente de la jouer dans l'espace. Rakitic. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. Et quel retournement de situation on vient de vivre, c'était fabuleux. La première période est terminée, qu'en retiendrez-vous? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord, quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. La Fiorentina, qui mène donc 2-1 à la pause, c'est un match qui est encore loin d'avoir livré son verdict. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Meunier, la Fiorentina qui a enfilé les buts comme les perles d'un beau collier au dernier match. Pour trouver la faille dans la défense. Une occasion. Il centre dans l'axe. Le bon dégagement. Un long ballon vers l'avant. Oh, le contre, l'arme fatale. Il glisse le ballon en profondeur. Simeone ! Oh, le but ! Il compte maintenant une avance de 2 buts. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Deux buts d'avance, ça fait du bien, oui, on les imagine un peu plus sereins. C'est bien d'avoir creusé l'écart, mais je pense qu'ils vont chercher à tuer les matchs maintenant. De Bruyne. Manuel Lanzini, qui a un peu d'espace. Et ils écartent le jeu. Touche. Quelle occasion, attention! Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque, c'est bien joué! Bétancourt, le Chievo Vérone qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison Grégoire, j'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous le savez.
Il décide d'allonger le jeu. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Et pourquoi pas ? De Bruyne adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Giacchierini ! C'est joué long, attention. Oh, le bon ballon ! C'est bien fait, ça. Bonne intervention du défenseur, ce sera un corner. La tête ! Oh, l'énorme occasion de la tête ! Bétancourt pour Lanzini. Ça va sur l'aile. Ça sprint côté gauche. Et le centre. C'est dégagé, loin devant. Ce contre peut très bien aller au bout. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Et il continue de progresser. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Mendy. C'est joué long. Mendy. Manuel Lanzini, qui était titulaire lors de leur dernière sortie. Mendy. Et ce ballon vers la... Il met la tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Il y avait du monde dans la surface, là. C'était une belle occasion. Long ballon. La longue passe, il peut en profiter. De Bruyne, qui a déjà marqué aujourd'hui. S'il le trouve... Filip Djordjevic. Oh, très bon ballon. Ça sent la frappe. Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur propre but? Oh là là, mais c'est vraiment le but gag par excellence. Il va avoir du mal à s'en remettre. Et c'est donc un changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Ils ont marqué un sacré coup de pouce du destin, mais bon, c'est le jeu. Mendy. Avec Simeone. Il écarte le jeu. Un ballon devant la cage. Le bon dégagement. Il y aura donc touche. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Oh, voici De Bruyne. Le bon jaillissement. Là, il cherche à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Lanzini. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Plus le temps de tergiverser, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Il joue dans l'espace. Faut tirer là! Quelle présence du gardien! Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. L'ouverture sur le côté. Il n'est pas hors jeu. C'est parfait, magnifique. Attention à ce centre. C'est dégagé. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. La passe dans la profondeur. Il joue dans l'espace. La belle interception. Bétancourt. L'arbitre siffle. Le match est terminé.
Sincèrement, il mérite tous les superlatifs après un tel scénario. Rester calme dans un tel match et renverser la situation. Quel match ils ont réalisé ! Incroyable ce retournement de situation. Vous avez une explication ? En tout cas, je me suis régalé. Il y a eu plus de hauts et de bas et de virages inattendus que sur les montagnes russes. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt, salut. Tout le plaisir a été pour moi. They be closing the door. Why do these women stand next to the money and hope that they get on the blocks? Why does my mama keep crying and hoping that I'm the one that can get inside the slums? Mama, I'm broke. I ain't even rich. It's not about the money. Girl, really how you think? Really gotta get homie. Time don't wait. Please give it to your hands. Do what it takes. Do what it's all you. It's all you. At the end of the day, it's all you. Said it once before, you bounced back before. Young kid with the juice. How about some more? That's no lie. I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild west for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we gettin' now, we actin' wild. Save you, lose yourself and be a slave to the game. Lose yourself to gain and the fame. Lose yourself to all the money that you make. Lose yourself to all the people that you hate. Truth the bed you make, prepare to lay. I'm still the guy that's trying to pave the way. Still divided by the love and hate. Cruise for the city just to think about life. Yeah, it's been a minute, I had to really dig deep. Little self-doubt can make you think twice. Giving my whole set in some kind of light. Live through the darkness and live through the pain. Tell you these things that I hope you relate to. Nothing but love that crave. True, yeah, nothing but love that crave. True. That's no lie. I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild west for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting now, we acting wild.